Bonjour, bienvenue sur Canal Turf. On est à Vincennes durant tout ce week-end, samedi. Réunion pas mal, normale, dirons-nous. Et dimanche, très belle réunion, c'est la réunion du Cornouiller avec des bons chevaux à jouer. Je chausse mes lunettes et je suis à vous tout de suite. Avec ce samedi dans la réunion, hein, dès la première, une bonne jument à jouer. Il s'agit du numéro 4, Arménie du Lupin, qui fait écurie avec le numéro 11, Azaleos de Bienville. Normalement, l'écurie Marmion devrait très bien s'en sortir. Dans la deuxième, on fait très attention aux grands favoris. Il y a presque égalité, c'est Cashmaker, il porte le numéro 12 dans cette deuxième course. Attention à lui dans la troisième. On va reprendre, c'est un groupe 2 au trot monté, on va reprendre la ligne établie lors du prix de Vincennes. Vous le savez, Cassandre Dème s'était imposé devant Caline des Plages et Candela. 13, 12 et 11 dans cet ordre-là, c'est ma proposition de jeu et de base au multi dans cette troisième épreuve. La quatrième, c'est le quintet. Quintet extrêmement ouvert, on a changé la distance. Sur Inès, elle est meilleure sur courte distance. Là, on est sur exactement 2850 mètres. Ça devrait bien se passer quand même, c'est une jument qui a des allures folles. Attention à Dante Bocco également, qu'on aurait préféré sur un peu plus court, 2007. Il est, j'allais dire, débarrassé. Non, Dominique Lopneu lui a préféré Amazon AM. C'est un signe, mais là sur Dante Bocco, on a quand même Eric Raffin, donc c'est intéressant. Spécialisé à distance, on a le numéro 2, Osiris Griffe. On fera attention également, bien évidemment, à Tagada, très joué ce matin. C'était la deuxième favorite de l'épreuve. À mon avis, c'est beaucoup d'argent pour rien parce que je ne suis pas sûr qu'elle ait une première chance. On fera attention à la jument de Pierre Berthuis, à savoir Altesse du Mirel. Donc, Altesse du Mirel, c'est le numéro 8. Donc, en base, on peut prendre le 3, on peut prendre le 8. On peut prendre bien évidemment le 13. Attention également au 14 Ultimate du RIB, ainsi que, et c'est une information exclusive pour vous, internautes de Canal Turf, on y compte un peu chez Sébastien Garato avec Valco Gemila qui fait sa rentrée, mais qui est capable de faire feu dès son retour sur les pistes. Dans la cinquième, à mon avis, un pénalty, c'est le numéro 2 Barbu. Elle a très bien couru la dernière fois, étant un peu malheureuse. On reprend celle qu'il avait battue, bien évidemment, Baronne de Bapré qui porte le numéro 8. Et on rachète absolument Bora Bora Giel, jument de classe, mais qui est quand même délicate et susceptible. Dans la sixième, attention aux trois, Unbridle Charm, un trotteur qui peut tout gagner en ce moment parce qu'il est déclassé au gain s'il consent à trotter, mais ce n'est pas la sécurité sociale. Si jamais il venait à faire la faute, on pourrait se rabattre sur le 16, sur le 15, pardon, Valka du Vallon, vous la connaissez bien, entraînement de Jean-Michel Baudouin, elle est drivée par Jean-Michel Bazir. Dans la septième, le numéro 16, Archibald, drivé par Pierre Lévesque, me semble tout à fait recommandable. Et dans la neuvième, on reprendra la ligne établie la dernière fois derrière Doberman. Dahlia du Riff s'était classée deuxième, derrière, devant Diablo du Noyer. Ce qui nous donne, dans cette neuvième épreuve, les numéros 9 et 7. Dimanche, on ira à Pau pour la réunion du Grand Prix. Ça, c'est intéressant. Une jument, un cheval joué dans ce Grand Prix, à savoir Maliborgia, qui sera une cote outsider parce qu'il y a un certain Osamu à battre. Vous regarderez ça sur Canal Turf, vous aurez toute la numérotation. Maliborgia qui sera particulièrement avantagé par le terrain très souple, voire lourd. Je me tourne et je prends donc ce qui concerne dimanche à Vincennes. C'est la belle réunion du prix de Cornulier. Dans la première, on peut s'amuser avec Amour Fou, le numéro 3. Il devrait normalement l'emporter. On en parle beaucoup en tout cas. Dans la deuxième, on reprend Caduceus Debo qui vient de s'imposer avec la manière. Il peut répéter et doubler la mise. Dans la troisième, je n'ai absolument rien vu. Bon, voilà, ça va se jouer autour des favoris, Beverly, GL, votre copine, mais bon, c'est pas très intéressant. Dans la quatrième, c'est le prix du Cornulier. Course extrêmement palpitante, dans laquelle on fera particulièrement attention aux femelles. Vision intense qui portera ici le numéro 15 et déclassé si elle trotte. Attention, c'est vraiment une jument de classe, mais malheureusement, le galop n'est pas sa discipline préférée. On fera attention à d'autres juments, comme en descendant Attention Nali, Chance, Thèse de Villeneuve, qui nous a un peu laissé sur notre fin la dernière fois, mais qui est capable de faire un truc ici, parce qu'elle a été préparée de longue date pour cet objectif. Athéna de Vendel, le numéro 6, attention à elle. Et bien évidemment, on n'oublie pas Scarlett Turgot, sans doute la favorite. Derrière elle, je mettrai le numéro 11, Moving On, Thiago Détemps. Il est rentré, il a couru deux fois, je n'ai absolument rien vu, même si on me dit qu'il est prêt. Je l'ai constaté d'ailleurs dès l'ISU, en allant voir Charles Bigeon cette semaine à Grosbois, même s'il est sans doute prêt, je pense qu'il sera un peu juste pour ce très bel engagement. Dans la cinquième, c'est le prix de Guinan. On fera attention dans l'ordre au numéro 2, Arturo Boy, en tête de la course, il y a une belle chance. Au 9, Alderman. Au 12, Alpha Saltor. Et au 13, Altesse du Mirel. Un jumé qui court d'aventure dans la sixième, ce sont les numéros 7 et 8 chez Genilou et Canary Match. Dans cet ordre-là, dans la septième, j'ai vu que le 11 Valse d'Avignir devrait très bien se comporter. Le 11 d'Elijette dans la huitième. On fait attention à elle, enfin.